Je me trouve devant chez Raymond Zitlon où il travaille. Le voici d'ailleurs qui descend à notre rencontre. Bonjour Raymond. Bonjour Antoine, enchanté de vous accueillir dans mon domaine. Alors Raymond, vous avez décidé d'entreprendre, de recommencer une nouvelle vie professionnelle. Pouvez-vous nous expliquer votre projet? Avec plaisir, vu la conjoncture actuelle un peu heureuse, c'est qu'après un certain âge, il faut s'en sortir, ben, il va bien falloir. Bien, on vous suit Raymond, vous nous emmenez dans votre atelier. Ah ouais, ça c'est notre fameux farine, ça, qui vous font rêver. Moi, je m'occupe de la finition, bien entendu. Donc, votre activité crée des emplois bassement qualifiés. C'est mon combat. J'espère être une locomotive qui va tirer le wagon. Suivez-moi. Entrez. Je ne suis pas encore bien hôtelier, mais bon, enfin, un peu avec les moyens de bord ici. Hein. Ah, la débrouillardise, vraiment une qualité bien nécessaire lorsqu'on commence une nouvelle activité. Pas content. Donc nous sommes ici à l'atelier de finition, où je me fignole mes bûchettes. Les palettes, comme vous pouvez le constater, la palette d'exportation est déjà finie. Mais alors comme ça, Raymond, vous vous lancez dans une production de bûchettes? Je peux vous faire une petite démonstration, si vous voulez. Permettez. C'est un travail qui demande assez bien de concentration. Hier, un accident dans le jardin, malencontreusement. Donc ici, vous avez quelques bûchettes en ébène qui, je pense, plairont beaucoup aux Américains. C'est une très belle ambition, Raymond. Blacky Mortimer. Mais venez, mon cher Antoine, nous allons monter au showroom. Mon comptable, collaborateur. Et avez-vous fixé des objectifs de production? Signons. Enfin, tout est relatif. Odette vous présente le coffre spécial Noël quitté, avec un étuisson pour faire, bien entendu. Elles sont là en décoration, elles sont là pour décorer. Ou pour enfourner, vous avez le choix. Voilà, c'était Raymond Zitlon qui vous a présenté sa nouvelle activité. Si vous avez une question à poser, n'hésitez pas, zitlon.be. Et si vous désirez soutenir Raymond, ses coordonnées apparaissent actuellement au bas de votre écran. C'était Antoine en direct de Verviers pour Le Travail, Ma Liberté. À vous les studios. Il n'y a pas de casquette. Où est-ce qu'elle est, ma casquette? Dès que tu te rébuches, c'est caisse. On ne croit pas. 14e! Action! Merde, il n'a pas cassé.